Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On s'est quitté il y a quelques temps à San Sebastian où j'avais vu le derby entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. Je vous invite à aller revivre ce moment avec moi, c'était vraiment incroyable. Il y a quelques temps, aujourd'hui on est de retour en France, on est dans les Ardennes à Sedan, dans l'une des plus grandes villes des Ardennes après Charleville-Mézières, une ville de 20 000 habitants qui compte un stade qui est là juste derrière moi de 24 000 places et qui accueille aujourd'hui l'un des matchs à enjeu, un des matchs les plus importants du football dans l'Hexagone ce week-end. Et pourtant c'est un match de National 2 entre le club de Sedan, le CS Sedan Ardennes, et le Sporting Club Bastiais qui sont tous les deux dans le haut de tableau. Premier ex-aequo de ce championnat de National 2 à la lutte pour remonter, deux clubs mythiques, deux clubs qui ont vécu beaucoup de choses dans le football français. On va aller voir ce match, on va aller récupérer les places, on va aller récupérer les accès pour aller voir ce match, ce choc important. Donc c'est parti pour ce match de National 2, c'est le premier sur la chaîne YouTube et je suis vraiment content de pouvoir vous faire vivre ça aujourd'hui à Sedan. Là, ça y est, je suis devant le stade, j'ai récupéré les places pour accéder à ce match important dans lequel le club de Sedan m'invite pour ce match. C'est vraiment sympa de leur part. Ça va bien ? Ça va et toi ? Super ! On va essayer de passer à un endroit au moins, ce sera plus facile. Tu me diras. Ça marche. D'accord. Voilà, ça y est, on est arrivé ici, on est rentré grâce à Quentin qui est là juste là-bas, qui est chargé de la communication dans le club. On a pu accéder à cette pelouse en bord terrain, les joueurs sont juste là-bas. Le parcage Bastiais qui sera là, juste là-haut, a donné de la voix déjà pour cet avant-match. On a 1h30 de ce match. Ça va être un grand moment, je remercie vraiment le club de m'avoir permis de vivre cela. Les joueurs sont juste là-bas à côté, il y a d'anciens pros qui sont là et qui vont avoir pour mission de faire remonter l'un de ces deux clubs dans le niveau supérieur. Je viens de me rendre compte que le son avait saturé sur cette partie de vidéo. J'étais juste devant le parcage Bastiais, parcage impressionnant avec plus de 1000 Bastiais qui étaient venus pour supporter ce club de Corse qui est très 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 populaire. 450 personnes venues en avion, 3 avions affrétés spécialement pour ce match, pour venir dans les Ardennes, plus les bus et les personnes venues par leurs propres moyens, énormément de monde pour un bruit incroyable, et c'est vraiment ce que j'ai vécu au pied de ce parcage. Et je remercie les Corses qui étaient présents sur place d'ailleurs, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir et de vous saluer. Voilà, ça y est, on a récupéré l'accréditation qui est là offerte par le club de Sedan qui permet de venir dans ce match. On a assisté au passage des joueurs sur la pelouse en bas du parcage. Là c'est parti, on va aller retourner dans un bar avant ce match, donc let's go, c'est parti. Oh les gars, clairement là tu vois, je filme, on est tranquille, on est passé de l'accréditation au PMU avant match, on est une heure du match, ça je l'avais jamais fait. Ça va être dans la vidéo, non, ça va être dans la vidéo, regarde là. Ce que je dis là, en ce moment c'est dans la vidéo. Et on va être tous ensemble dans la vidéo. Ça y est, on a quitté le bar, on est passé quelques minutes dans ce bar, on arrive devant le stade Louis Dugoguez qui porte le nom d'un joueur emblématique et d'une personne emblématique de ce club de Sedan, Louis Dugoguez qui a joué 4 ans au club de Sedan et qui a été ensuite entraîneur pendant 24 ans, ça fait 28 ans passé pour cette personne qui est une grande personnalité du club et qui a donné son nom au stade. Le stade est juste devant nous et c'est parti du coup pour ce match. Ah, ça y est, on accède, c'est dans les tribunes. Ça y est, on est rentré dans ce stade, on va maintenant accéder à la tribune, toujours un moment que j'aime bien, c'est mon 67e stade aujourd'hui. Donc, c'est parti pour ce stade Louis Dugoguez. Let's go! Ouais, c'est moi? Ouais. Ça va? Ouais. Ça y est, je suis rentré
monter dans ce stade à Louis du Gauguez. J'ai Augustin, un abonné qui est juste à côté de moi. Salut ouais. Augustin, je viens souvent au stade. Ouais. Je viens souvent. Un petit pronostic pour ça. Un petit 1-0. Un petit 1-0, sinon on prend pas beaucoup de buts. Hein. Ouais. Un seul but encaissé cette saison pour le CS, ceux dans Ardennes. Donc on va espérer qu'ils vont l'emporter pour vous cette année. Ouais. J'espère qu'ils vont l'emporter pour vous. À l'aller, Sedan a gagné 1-0 à Bastia encore, c'est une vraiment un exploit d'avoir gagné là-bas. Très peu l'ont fait, et donc les Sedanais vont essayer de réitérer cet exploit pour prendre les devants seuls de ce championnat de national. C'est un moment important dans ce match, on est à 25 minutes du coup d'envoi de ce match à la mascotte soudanaise, le sanglier des Ardennes, qui est là présent également sur le logo de Sedan depuis toujours. Et la mascotte Bastiès qui est là-bas, venue en bas du parcage. Donc ça commence à s'animer le parcage. Et le cop qui est juste à côté de moi qui va lancer son premier chant, c'est parti. On va conclure cet avant-match, on est à une quinzaine de minutes du match en parlant d'un fait d'actualité. Il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale a été voté l'arrêt et la fin des matchs le 5 mai en hommage à Furiani. Ça faisait des années et des années qu'on attendait ça après ce drame qui avait fait 18 morts encore. Ça faisait des années que le peuple bastiais et le football français demandaient l'arrêt et la fin des matchs le 5 mai. Et ça y est, ça a été voté. Enfin, il n'y aura plus de matchs les 5 mai. Donc là, les bastiais sont là, ils sont près de 1000 et bientôt 1000 à être arrivés dans ce barcage. Les deux équipes sont en train de finir leur échauffement. On va assister à un gros match entre les deux premiers de ce championnat de National 2 avec 43 points. Les Bastiais qui restent sur 5 victoires consécutives. Ça y est, on est bien dans ce match. La deuxième journée de National 2 entre Sedan et Bastia. L'ambiance est partie, c'est let's go. Le typo des Bastiais est indiqué, la chasse est ouverte à Caccia et à Berta qui étaient déployés là-bas avec un fusil, un chasseur en référence au Sedan, au sanglier soudanais des Ardennes. Allez les gars, allez, c'est parti pour les 40 minutes en ce match au sommet du championnat de national. 10 minutes de jeu et première action pour le CS Bastia et c'est bien arrêté par le Nog dans les buts de Sedan. Merci! Wouh! Merci! Wouh! Merci! Mais il n'a pas touché! 32ème minute de jeu et carton rouge pour le CS Sedan Ardennes. Et c'est Dachour, le capitaine numéro 5 de Sedan qui écope de son 10ème carton jaune en stoppant cette attaque de CS. Les Sudanais vont devoir jouer. La moitié du match à 10 contre 11, on va voir s'ils sont assez solides. Ça donne 34ème minute de jeu et 0-0 dans ce choc de National. Et donc voilà, c'est la mi-temps ici au stade Louis du Gauguez entre Sedan et le CS Bastia. 0-0 entre ces deux équipes et Sedan toujours à 10 cette deuxième mi-temps. Donc voilà, comme je disais, Bastia est à 10 pour cette deuxième mi-temps après ce rouge du capitaine. Les Bastiais qui ont eu le ballon et la plus grosse occasion avec cet arrêt du gardien Xavier Lenog, qui a permis à Sedan de conserver cette égalité. On va monter un petit coup pour essayer de voir un peu là-haut comment ça se passe, l'accès, donc on va en profiter. On se retrouve pour le retour des deux équipes sur la pelouse de ce stade de Louis du Gauguez. A tout de suite. Mais la tribune est complète, aujourd'hui plus de 10 000 personnes sont dans ce stade Louis du Gauguez. Le record pour un championnat de National 2, c'était à Strasbourg au stade de la Meno le 6 avril 2013 où le Racing Club de Strasbourg avait accueilli le FC Mulhouse avec 20 044 spectateurs. Aujourd'hui on est à plus de 10 000, c'est un engouement assez incroyable alors qu'il y a à peu près 2 à 3 000 personnes à chaque match ici à Sedan et notamment là aujourd'hui avec les poulies de Bastiais et toutes ces tribunes qui sont complètes. Allez,
et l'arbitre qui a calmé tout le monde en mettant la main en direction du point de 6 mètres. Et c'est parti, ça rejoue, ça continue à jouer. On joue la 62e minute de jeu ici à Dubogues et 0-0 entre Sedan et Bastia. Avec ce coup franc tiré par la bouche qui le polasse sur la barre de Lenog. Bastia qui commence à pousser de plus en plus. Bastia qui est à 11 contre 10 dans ce match. Ce coup franc était magnifique. La fille est trop pris, mais c'était hors jeu. 0-0 à Dubogues entre Sedan et Bastia. Du score de Bastia sur ce coup de pied arrêté bien tiré par la Monge et l'arbitre qui a levé son drapeau. Toujours 0-0 entre Sedan et Bastia dans ce choc. Entre le CS Sedan et le SC Bastia, malgré ces déplacements, malgré cette ferveur populaire dans les deux camps, on n'a pas vu le but. On a vu cependant un très beau match, un match très disputé, avec notamment cet arrêt de Lenog en première mi-temps, ce carton rouge pour les Sedanais très tôt dans le match, et ensuite, ce coup franc de Lamonge sur la barre qui était tout proche d'ouvrir le score pour les Bastiais. Au classement, le CS Sedan Ardennes qui conserve la place de leader au goal average avec 5 buts de plus que les Bastiais. Ils ont également gagné le match aller, donc ça peut compter également dans ce championnat de National 2. On va quitter ce stade, c'était un grand plaisir de vous faire suivre ce match qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je peux aller aussi bien voir des championnats très UP, la première ligue, de la Liga, de la Ligue 1, ou des matchs amateurs comme aujourd'hui à Sedan. Et c'est un vrai plaisir de vous faire suivre cela. Voilà, j'ai été interrompu par quelques incidents ici en cette fin de match. Mais c'est terminé, on se quitte ici. Je vous remercie de suivre la chaîne de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et surtout à partager les vidéos de la chaîne. Je vous remercie. On se retrouve dans de nouvelles aventures très très prochainement. Merci à tous. Ciao et merci également au CS de l'Ardenne. Donc je la refais. Ciao.